Je vais sur pont routier faire bosser notre nouvelle recrue. Bon, il me faudrait plus de matos, là. Dirige-toi vers les rails, je t'expliquerai plus tard. Quoi, tout seul? Écoute, je sais que c'est pas vraiment la joie dehors, mais c'est une question de point de vue, tu vois. Si tu te dis que tu vas t'éclater, alors tu vas t'éclater. J'ai pas raison? Bon, c'est clair que ces putains d'overdosés rigolent pas. Gaffe à ton cul. Aïe de déchets, récupère 10 pièces de cuve pour Floyd. Ok. Pas de soucis, je te rapporte ça. Donc ça, sur ce jeu, il y a vraiment moyen de s'éclater. Hein. C'est... attends. Je t'ai indiqué les emplacements des pièces sur ta carte. Merde. Il faut absolument que tu les récupères toutes, pigé? Ouais, t'inquiète. Si, si. Alors, là. Barrez-vous! Je suis à sec. Ah merde, déjà. C'est pas vite les munitions, ouais. N'oublie pas les pièces. Ouais, t'inquiète, je gère. Hé, je crois que t'as oublié quelques pièces là-bas. Eh ouais, t'inquiète. Je prends. Ça, je prends. Merci, merci. De la vie, y'a plus rien. Voilà. Je crois que je les ai tous eus. Y'a un autre chargement là-bas. Au bout de la voie. Grind sur les rails. Tu trouveras le reste du stock. Ouais, ça marche. Ouh! Aïe! Salut! Si jamais tu vois des barils rouges. C'est bon! Putain, ils font mal! Je sais quoi faire avec les barils rouges. Merci. Barrez-vous, barre-toi! Putain! Il est gratigneux. Ils font vraiment mal. C'est bon, c'est passé? Ok. Ah putain, il sait qu'ils peuvent évoluer du coup. Un popper. Floyd, il y a des types avec des grosses têtes dégoulinantes qui viennent vers moi. Ce sont des overdosés qui ont bu trop d'overcharge. On les appelle les poppers. Vaut mieux les descendre avant qu'ils s'approchent de trop près. Ils descendent de la butte. Ça je récupère, ça je récupère. Hop, on va grinder un petit peu. Pousse-toi. Oh putain. Ah c'est quand même tendu hein, ce bordel. On va arriver ici. Putain ils sont tout proches, bordel. Putain ils sont juste là. Non 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 non. Ici je peux rinder. Barre-toi. Barre-toi. Putain il va vite hein. Je sais que c'est de l'autre côté mais faut que je me casse. Dis donc Floyd, il y a un truc que je pige pas. Pourquoi Fisco voudrait empoisonner ses propres clients? Je vais t'expliquer. Tout ça c'était un accident. Les dirigeants de Fisco avaient tellement peur de la concurrence qu'ils se sont maniés de sortir l'overcharge sans l'approbation du gouvernement. Ils ont merdé. Et maintenant ils prennent n'importe quoi pour maintenir le prix de leurs actions. On va pas sortir vivant de cette ville, c'est ça? Pas avec une attitude pareille en tout cas. Voilà comment je vois les choses. L'apocalypse nous offre la chance de devenir qui nous voulons être. Pas de patron, pas de règles. Moi j'appelle ça l'apocalypse. Apocalypse. Il est trop fou ce gars. Encore je te parle? Okay. Tu veux quoi? Je travaille sur des trucs que j'appelle des rushs. J'en ai quelques-uns qui sont presque prêts et j'ai juste besoin de deux ou trois trucs pour les terminer. Dis-moi. Il doit y avoir des ballons Fifi dans la base. Récupère-les et rapporte-les. Oh putain. Encore des quêtes annexes qui servent à rien. Bon, si tu veux, je te ramène ça. Alors. Merde. Bon, je suis pas encore totalement habitué avec les contrôles. Ouais. J'y mets. Du coup. J'ai quoi? Niveau 2. Maintenant, t'as plus qu'à équiper ces rushs. Comment?
je veux dire, si on était dans un jeu vidéo, il y aurait un menu ou genre. Trop con. Écoute-moi, joueur. Pourquoi est-ce que j'entends des voix, moi? Parce que tu dois apprendre des trucs, et les études ont prouvé que c'était la meilleure méthode. Tu équipes tes roches dans le menu de personnages. Il y a plusieurs catégories de roches. Choisis l'emplacement de roche héroïque pour ton nouveau roche. Équipe ton roche T1 en roche. Passons aux roches d'armes. Choisis l'arme à laquelle tu veux appliquer un roche. Ouais, elle. Ben oui. Voilà. Choisis un roche d'arme pour l'appliquer à ton arme. Voilà. Je vois rien de différent. Ah ouais. Les rushs ne s'activent que quand tu te bats avec style. Ça, c'est ta jauge de style. C'est ta meilleure amie. D'accord. Utilise tes combinaisons aéro pour remplir ta jauge de style. Oh, ok, j'ai compris. Grind et balance-toi, ne t'arrête jamais. Le fait de tuer des ennemis en grindant, sautant et en faisant des acrobaties génère aussi du style. Tu dois t'entraîner. Va au parking et active ton premier rush. Rebondis sur des voitures et grind sur des câbles jusqu'à atteindre le niveau de style 1. Tu ne peux appliquer de rush d'armes qu'aux arcoules. Ton rush héroïque est activé. Redescends et fais une roulade sur tes ennemis. Grâce à ce nouveau rush, tu les renverseras tous. Et maintenant, on va la ok, nickel. Ça marche bien cette merde. Une roulade sur tes ennemis. Ouh. Roulade. Roulade. Maintenant, tu dois atteindre le niveau de style 2 pour utiliser ton rush d'armes. Arrête des rebondis pour gagner du style. Je gagne du style, t'inquiète pas. Paris des plaisirs, grind, rebondis, puis grind. Tu boostes ton style à mort si tu tues en te déplaçant. Incroyable. Sans déconner. Allez, on va tester le rush d'armes. Utilise l'arme haute fidélité. Haute fidélité, voilà. Putain! Ah, c'est stylé! C'est vrai qu'ici il y a un piège! Ici, je l'ai eu! Il est où? Faut que je les emmène là! Et ici! Et là, tu te fais du point! T'inquiète! Je me fais plaisir! Ouh! Ça passe, elle venait là. En tout cas, le système de visée est vraiment cool, honnêtement. J'aime beaucoup ce jeu. En plus, il y a même un mode multi, apparemment. Je testerai un autre jour. À différents niveaux de style, différents rushs s'activent. Ok, j'ai compris. Ok, style 2, style 3, style 4, ok. J'ai compris. Ah, il devient fou là. Ta jauge de style va se vider. Donc, ne t'arrête jamais de bouger et de tuer des ennemis. Ouais. Reste avec moi, c'est bientôt fini. Ça, c'est le compteur de combo. Quand tu enchaînes les frags et les combos d'un héros, tu gagnes des bonus. Plus ton compteur de combo est élevé, plus tu gagnes de style. Nickel. Bon, tu vas pouvoir buter de tes propres ailes. Te crois pas. Ouais, c'est ça! Ça, c'est du style! Allez, reviens, j'ai une bonne nouvelle pour toi! Ok, bébé? Ça, je prends. Toi, ok. Ouais, je commence à gérer le truc, ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est parti! On va se marrer. Quand ça sera fini, j'aurai un rush pour toi. Ok. Si je prépare ça, c'est pour faire de nouveaux rushs. Et crois-moi, tu vas avoir besoin de nouveaux rushs. Bon, t'as compris? Dès l'instant où je vais commencer à préparer, les overdosés vont rappliquer. Le plus important, tu vois, c'est que tu tiennes ces enfoirés à l'écart des cuves. Ok, j'ai compris. Si tu échoues, t'en fais pas.
C'est l'apocalypse. T'auras toujours une deuxième chance. On est dans un jeu vidéo, non? C'est vrai. J'ai placé des barricades et des pièges autour de la base, mais ça ne tiendra pas longtemps. Ouais, c'est un mode de survie, quoi. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Ok, la dernière étape est de tourner la vanne et de nous mettre au boulot. Ok, entendre ça. En fait, c'est la nuit en plus. Ok, en plus de style. Ouais, on est clairement dans un jeu vidéo là. Ils arrivent par là, ils arrivent partout. Bah, les poubelles aussi. Allez, soyons fous. C'est un jeu vidéo après tout. Par les bouches d'égout, ok. Ouais, ça fait complètement zombie en fait. Bon, c'est parti. Ils déboulent. Faut que t'essayes de les buter avant qu'ils n'atteignent tes pièges. Ouais. Hey, ils vont franchir les barricades extérieures. Il y a un groupe d'overdosés sur l'une des barricades. Utilise le pyrocompensateur pour tous les cramer. Bouffe. Franchir les barricades. Stylé. Ouais, t'inquiète. Continue de tourner autour de la base. Grind et rebondis partout. Ouais, je fais que ça. Bouffez ça. Ils vont franchir les barricades extérieures. Et ils viennent de franchir les barricades extérieures. Ils sont dans la base, putain. Il faut les empêcher d'atteindre les cuves. Et non, ils sont là, t'inquiète pas. La cuve, elle est là-bas. Je gère. Tu me laisses faire. Ils sont où? Continue de tourner autour de la base. Grind et rebondis partout. Par contre, y a pas, on va dire, un espèce de menu où je pourrais augmenter un peu le maniabilité, tout ça, options. Ouais, sensibilité, voilà. Voilà. Oui, ça ira un petit peu mieux parce que. Putain, ce que j'étais lent. Ils sont où? Pourquoi on doit faire ça de nuit? L'overcharge distillée est très sensible aux ultraviolets. Il m'est arrivé quelques accidents quand je l'ai testé en journée. D'accord. Pour le style en fait. Ah, le grand méchant. Un saccageur, ok. Continue de tourner autour de la base. Grind et rebondis partout. Enflamme ce saccageur avec ton pyrocompensateur. Ensuite, prends ton dirty arrêt pour balancer des brunos. Oh, voilà. Putain, il me suit partout, lui. Putain. Ah, ils sont nombreux. Aïe. Il fait mal. Il fait très très mal. Bougez-là. Barrez-vous. Ouais, je fais ce que je peux, hein, putain. Ils sont nombreux là-bas. Putain. On arrive à la dernière étape de la préparation des rushs. Putain, ça pète de partout. Accroche-toi. Quoi ? Toi, essaie de résister jusqu'à la fin du compte à rebours et on en aura terminé. Les laisse pas s'approcher des culs. Barrez-vous! Barrez-vous!
Aïe, ils font mal. Putain, je suis mort. Ouais, mais... Barre-toi! 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 Ouais, mais c'était tendu quand même! Stylé! Avec le petit feu d'artifice là! Mission accomplie! Haha! Nickel! Effectivement. Ah, tu m'étonnes. Ce qui est super, c'est que ça a marché. Tu m'étonnes. Du coup, c'est quoi? Récupère les roches. Rebond explosif. Ours Force One, bon à tirer. Ok, des roches que je peux préparer vite fait. T'as juste à m'apporter les ingrédients et je pourrais te donner le rush tout de suite. Va au coin des roches et dépose les ingrédients pour avoir ton rush. Tu trouveras des ingrédients de rush dans toute la ville. J'ai une liste pour toi. Les ballons de Fizzy sont remplis de fluorure d'hydrogène, un super acide qui aide à amorcer les réactifs. Les chaussures qui puent sont une bonne source de dioxyde de soufre. Les objectifs de caméra peuvent aider à isoler les extrémophiles. Les néons fournissent des particules radicalement ionisées, parfaites pour la conduction organique. Des branleurs ont mis du PQ partout dans la ville. C'est débile, mais ça nous arrange. Le papier toilette est le substrat de catalyse idéal. Si jamais t'as du mal à trouver un ou plusieurs de ces trucs, Bob Dealer vend des cartes avec le remplacement, ok? Ouais, pas de soucis. Certains rushs sont plus longs à préparer. Il faudra que tu défendes les cuves pendant qu'on les préparera. Je t'appellerai pour te dire quand j'aurai besoin que tu protèges les cuves. Ok, je crois que j'ai compris. Pas d'équiper ces rushs et de me dire ce que tu en penses. Alors, Où est-ce que je mets les rushs? Les rushs. Alors. Mais. Comment ça marche cette merde? Cette arme inspirée d'un fusil à pompe manque peut-être de précision. Non, ok. Comment je fais pour équiper. Effectuer une roulade au milieu, ok, niveau 1. Overdrive. Pourquoi c'est marqué nouveau alors? Je peux équiper un autre truc, non j'ai que 3 armes, ok. Mais là. Là, on met ça. Ok, on met. Attends. Effectivement, une roulade niveau 1. Héroïque. On va le mettre là. Voilà. Ça c'est bon. Ça, est-ce qu'on peut équiper? Les équiper de rush, c'est déjà fait. Ça, c'est une arme qui est assez lourde, ok. Voilà. Overdrive. Ça, c'est. Les levels, on verra ça plus tard. Ok, on va faire un tour chez lui pour voir s'il n'y a pas des armes. Petit bijou que je suis prêt à céder. Au juste prix. Le frigo bombe. Ah, j'ai. Putain, le fait que ça. Viens me retrouver sur le pont routier. C'est chaud. Je t'attends. Hey Walter, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant tout ça? Il y a des trucs. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ok, alors t'étais un sale con professionnel. J'étais le chef de la sécurité chez Fisco. Et t'es? On dirait que vous vous êtes pas quitté en bon terme. Il y a 2 ans, ils m'ont viré, moi et mes gars. Ils ont tout automatisé. Grosse erreur. Erreur? Après cet énorme foirage industriel, nous sommes les seuls à connaître la vérité. Et on est pris au piège dans une ville emmurée, remplie de zombies et sans moyen de communication avec le monde extérieur. Moi, je dirais que la sécurité a fait un sacré bon boulot. Des mutants, pas des zombies. Grosse différence. Ce sont des zombies mutants, infectés par du soda. Voilà. Bon bah les gens, je pense que c'est tout pour cette vidéo découverte, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter comme d'habitude, hein, vous abonner si c'est pas déjà fait,
On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ferai encore quelques vidéos découvertes et puis dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu qui est complètement épique, complètement what the fuck, qui est vraiment génial. Enfin, moi, je me suis beaucoup éclaté dessus. Je finirai le jeu, je ferai pas forcément un let's play dessus, mais je ferai encore d'autres vidéos dessus pour montrer un peu multi, tout ça, voilà. Bon bah les gars, c'était Drake et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.